Au Japon, on consomme peu de graisse et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En France, on consomme beaucoup de graisse et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En Inde, on boit peu de vin rouge et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En Espagne, on boit beaucoup de vin rouge et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. Au Brésil, on fait beaucoup plus l'amour qu'en Algérie et le nombre d'infarctus des deux pays est plus faible qu'aux États-Unis. Conclusion, buvez, mangez, faites l'amour autant que vous voulez. Ce qui peut tuer, c'est de parler anglais.